Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Moumine Guinéra dit assalamu alaikum. Alors, si ma mère nous sentait à Fanny Fini, il paraît bien et n'est pas bien, mais il va d'un bail et puis il m'a la roue et à bas la roue sur toi. La Guinée dit n'allait assalamu alaikum. Dina lay la Guinée qui la Guinée ferme dunia dina lay bin assalamu alaikum muslimi nyama assalamu alaikum la Guinée qui la Guinée ferme dunia muslimi bin wa assalamu alaikum. Je salue la population guinéenne de l'intérieur à l'extérieur et du monde entier. La population guinéenne, je vous salue. Je salue la communauté chrétienne de la Guinée. De l'intérieur à l'extérieur et du monde entier, la communauté chrétienne du monde entier, on vous salue, je vous salue. Tous ceux qui prennent leur temps de venir sur ma vidéo en live pour me suivre, vous faites partie des combattants aussi de la liberté de notre et de la démocratie de notre pays, la Guinée qu'on a créé 224, parce que tout le monde a sa manière de combat. Nous, on sort sur nos écrans, mais ceux qui partagent, ceux qui nous suivent, mettez en vos têtes que vous êtes des combattants aussi, des combattants. C'est vous. Parce que quand nous, on explique, on parle derrière notre caméra. Si vous voyez que les vidéos marchent, c'est grâce à vous. Donc, je ne me fatiguerai jamais à vous remercier. Je vous remercie et je vous remercie infiniment. Vous qui suivez mes vidéos et partagez. Donc, la nouvelle là est très très triste. C'est très très triste. Ce général Saliba Koulibaly, Alaya Raham, la vidéo est en bas. Quand il a été arrêté, j'ai dit dans une de mes vidéos, j'ai dit son arrestation là, on va le tuer. Je l'ai dit. J'ai dit ici. Le cas de Foniké et Bilou Diallo Oubari, Allah Yarham, ils ont été assassinés depuis le lendemain de leur arrestation. Ils n'ont pas été kidnappés. Vous, les intellectuels, écrivez très bien pour faire comprendre, nous, les illettrés, ce qui se passe. Parce que si vous accompagnez les gens-là en disant qu'ils ont été kidnappés, vous avez aidé le mensonge, vous avez aidé l'accusation, vous avez aidé leur criminalité. Foniké Mangé, Allah Yarham, Bilou Diallo et Bilou Ba, Allah Yarham, ils ont été assassinés depuis le lendemain de leur arrestation. Oui. Et c'est un texte pour Ilaj Seloudalé Diallo. Ceux qui clapent pour la rentrée de l'âge Seloudalé Diallo, je vous vois comme ses ennemis. Il ne doit pas rentrer.
Je vais vous citer des hommes que vous devez très, 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 très veiller sur eux-mêmes. Vous voyez Bala Samoura, vous voyez Mamadi, le putsch qui est en Guinée qu'on a créé 224 à l'heure là. Vous voyez le général Abakar Sidiki Kamara. Vous voyez Lansana Kouyaté. Tous les assassinats qui se passent sur les Guinéens comme ça, des citoyens libres, des officiers, des militaires, c'est les gens-là. Lansana Kouyaté, général Abakar Sidiki Kamara, actuel ministre de la Défense en Guinée-Conakry 224, encore l'ambassadeur de Cuba, la même personne qui occupe les deux postes-là, général Abakar Sidiki Kamara, alias Idi Amin, et Bala Samoura, le gendarme qui est en haut commandement, Bala Samoura, et Mamadi, le putsch qui est en Guinée, qu'on a créé 224 dans notre présidence. Voilà ceux qui font, ceux qui sont en train d'assassiner les militaires, les citoyens libres. Donc je vous dis et je viens vous éclaircir ça ici. Founiké Mangé et Bindo. Si c'est pas au Yalou, Alayaram, ils ont été assassinés depuis le lendemain de leur arrestation. Ils n'ont pas été kidnappés. Ils ont été arrêtés par les forces spéciales, mélangées par les... C'est un groupe mixte qui sont tombés sur eux. Il y a les gendarmes, il y a les militaires dedans. Il y a les forces spéciales. Ils n'ont pas été kidnappés. Non. Ils n'ont pas été kidnappés. Ils ont été arrêtés. Ils ont été arrêtés. Avant qu'on leur arrête, ils ont débarqué 4 personnes derrière eux. Quand ils montent, ils sont derrière eux. Quand ils sont dans leur maison, les 4 là leur suivaient. Bilo et Founiké Mangé. Avant d'abord leur arrestation. Mais les Yaranqués sont là-bas. Ils sont là en Guinée. Ils sont en extérieur. Partout dans le monde entier. C'est pas facile de veiller et de fouiller ce que je vous dis. La mort du feu général Sadiba Koulibaly Alayaraham, après avoir fait les vidéos là, vous m'avez vu disparaître. J'ai disparu sur Facebook parce que j'ai pleuré. Le sang même est descendu sur mes deux yeux. Donc, il fallait m'éloigner de l'écran la semaine-là qui s'est passée là. Quand ils ont arrêté et donné la fausse cercueil, et ils ont donné le faux cercueil à Chozo, à sa famille. Ça a beaucoup joué sur moi. Me voyait ici boire du jus vert. C'est moi-même qui fais ça. Je buvais ça pour ne pas que j'arrive à cacher la tension. Parce que quand le nerf, quand le cœur n'est pas tranquille, le sang pompe comme ça là. Donc ça crée la maladie dans le corps. Raison pour laquelle le choc là, ça a beaucoup joué sur moi. Pleurer jusqu'à le sang est resté sur mes yeux. J'ai envoyé la photo même à quelqu'un et une femme pour montrer, pour être témoin. Donc le choc, ça gâte beaucoup de choses dans le cœur. Ça dérange même la santé. Je peux m'arrêter là-bas. Donc, la mort des deux activistes là,
ne soyez pas douté. Ne doutez pas sur ça. Ils ont été assassinés depuis le lendemain de leur arrestation. Et ne comptez pas qu'ils vont vous donner les deux corps. Parce que faire une déclaration par CNRD sur la mort du feu général Saliba Koulibaly, alayarham, ça a été un grand problème pour eux. Donc, ils ne vont pas faire passer la communiqué. Il n'y aura pas de communiqué sur eux, les deux, là, je vous le dis. Ils ne vont pas reconnaître. Mais ce que le procureur même a dit, vous n'avez pas compris. Il veut vous dire qu'ils ne sont plus en vie. Est-ce que c'est son droit de venir dire ça? Si vous ne croyez pas à ma parole, la Nations Unies, l'Union Européenne, ils n'ont qu'à faire descendre leur missionnaire ou former une délégation pour aller vérifier s'ils vont leur montrer leur corps ou leur vivant. Ils sont déjà morts. Ils ont été assassinés. Ils ont été assassinés. Mais qui sont derrière tout ça là? Je vous ai dit et j'ai dit la cause. Le groupe russe bandit qui porte le nom Wagner, la France en avait. C'est ce que le président Koïta a chassé chez eux. Idi Amin a signé. Il ne cherche pas seulement le pouvoir. Non. S'il arrivait à gagner la tête de Mamadi Doumbouya, il allait être non seulement le président de la transition, que Dieu nous le fasse ça, encore, il sera le chef des Wagner, Assan ou something like that, leur nom, en Afrique. C'est-à-dire, tous les pays africains, les groupes qui sont contre les pouvoirs en place, que ce soit Mali, Bénin, partout en Afrique, ils vont recruter tout le monde. Non seulement, même s'il finit son... comment dirais-je ça? Après le coup d'État, même s'il finit ces 2 ans ou quoi là, il finit la transition, mais il sera toujours là pour le travail des Français, c'est-à-dire le chef des... J'ai oublié même le nom. Quand je me rappelle, je vais écrire sous la vidéo. Donc, c'est pour cela, avant-hier, je vous ai dit, la vidéo que j'ai faite, ça concerne tous les pays africains. Idi Amin est préparé pour quelque chose de dangereux pour l'Afrique. Pour l'Afrique. Donc, c'est ça. La convention, là, il a pris ses diplômes, ils ont fait signer ça dans le bateau sur la mer avec le chef d'état-major français. J'ai été la première personne à déclarer ça. Les autres pays ont déclaré et la Guinée était obligée à faire le communiqué sur RTG. Moi, je ne viens pas parler ici pour faire des commentaires. Vous me voyez même, je parle lentement. Je me force de fois, sauf si je prends le café noir. Vous pouvez me voir après ça, vous pouvez me voir chaude. Sinon, je parle lentement. J'ai la voix de ma maman. Donc, c'est ça. Les mercenaires de Idi Amin portent le surnom des gardes du salon de Mamadi dans notre palais des nations. Le gang club
de choses, Idi Amin porte le nom Cobra. Leur point de départ est dans Tombo. Il y a eu un moment où vous avez vu Idi Amin est allé en Bijan. Quand il s'est retourné, les mercenaires aussi sont rentrés. Donc c'est ça. C'est lui qui a formé Mamadi Doumbouya. Jusqu'à ce que c'est lui qui a changé Mamadi Doumbouya de souris à caïman. Tout ce qui se passe à l'heure là. Mamadi même, sa vie est en danger. La seule personne qui est claire pour Mamadi aujourd'hui, ça c'est Amara. Et maintenant, ils ont mis la guerre entre Mamadi et Amara. Par maraboutage, par leur soma travail là, gris-gris, il y a le feu seulement qui est entre Mamadi et général Amara Kamara. Maintenant, c'est le seul dérangeant qui est face à Bala Samoura et Idi Amin. C'est pour cela qu'ils cherchent à aller éliminer Amara aussi. Son groupe, il y a beaucoup de fils Farana dedans. Même dans le palais des nations, il a ses hommes. Quand Mamadi dort, Bala connaît et Idi Amin connaît. Donc, sur ce, l'ambassade ne fera pas de commentaires. Moi, je viens vous dire la vérité. Foneke et Bilo sont déjà morts. Merci. Salam alaikum.